Allô tout le monde, donc là je commence mon vlog dans mon auto. Je sais qu'il fait un petit peu sombre, mais je suis dans un stationnement souterrain, donc c'est pour ça. Je suis présentement à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. J'ai une de mes abonnées qui m'a écrit il y a environ une semaine sur Instagram. Elle m'a envoyé un message comme en privé pour me dire qu'elle était rentrée à l'hôpital hospitalisée pour à cause de l'anorexie. Ça m'a quand même beaucoup touché son message, donc j'ai décidé de venir lui rendre visite tout simplement. On a parlé un petit peu. Puis là, je peux te montrer comme ton petit place, ok. Ah, la fille, tu disais faire allô, te présenter, peut-être vite. Je suis Sarah Jeanne. Elle avait même une chaîne YouTube, enfin, je vous la mettrai en bord d'info. Elle a pris un petit break par contre. Ils sont full cute. Oh my god, ils ressemblent tellement au mien. Ouais, mais genre mes amis, ils m'en apportent. Comme... Oh my god, je t'envoie une photo à soir, je te dis, il est presque pareil, c'est déjà dans mon lit. Ouais, mais moi, c'est mon chum qui me l'avait donné. Oh. C'est un petit lapin. Non, c'est un lapin, mon dieu, c'est un chien. C'est un lapin. Un lapin. Je plante que. Je suis montrée dans le toit, mais c'est vraiment noir, là. Fait que c'est comme ça. Je sais même pas comme. Tu dois sûrement donner un peu d'eau chaque jour. Je suis pas la meilleure. On enlèvera ça tantôt. Ouais. Tu veux-tu montrer que je t'ai donné, tu sais? On va faire genre un haul, là. YouTuber sans moi. Oui. C'est parfait, là. Ouais. Ils sont vraiment bons. Ils rushent. C'est comme aux petites pommes, là. Ça sent ouais, super bon. Des vernis. Ouais. Parce que je vous disais que vous avez tout oublié chez moi. Exactement. Fait qu'on s'est fait les ongles. Accroché. Je l'ai accroché. Puis là, on dit que les deux, on accroche toujours nos ongles. Fait qu'en tout cas, on les a fait tantôt. Moi, j'ai fait gris, puis elle a mis le fameux birthday suit. C'est la carte. Ouais. Belle. Ouais, j'ai fait une petite carte, un petit mot. Tu le laisseras ici. Leur nouveau ah, eyeliner. Cool, en plus, il m'en fallait un. Genre, bon. Oh. Un de exactement. Yay! Contente. Je suis comme contente pour toi. Les deux nouveaux. Ouais. C'est les nouveaux lacs. Je pense que c'est comme un mix entre un rouge à lèvres liquide. Son full, opaque, ouais, sont full pigmentés. Mon dieu, je peux me frapper la tête. Tu peux la lever, genre. Comme ça? Ouais. Comme pas maquillée encore puis je suis vraiment endormie. Je me suis ramassée à écouter l'épisode d'Éric Salvaille, les recettes pompettes hier. Puis hier c'était Anne Dorval et j'ai oublié le nom d'autres personnes, j'ai vraiment un blanc. Là je suis full contente, j'ai reçu un colis de chez Clarins. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble. C'est de Nux, mais Nux c'est une compagnie qui appartient à Clarins, donc c'est pour ça. Bon. Oh my god, c'est vraiment cute! Oh my god, ils sont tellement généreux, je capote. Les huiles prodigieuses, c'est un produit qui est toujours régulier, mais à chaque année, ils sortent avec un packaging, là, un emballage qui est comme limité pour la nouvelle année. Donc celui-là, il est vraiment beau. J'avais reçu l'an passé aussi. Ça, c'est leur nouveauté que j'ai vu qu'elle allait juste être sortie en mai 2016. Donc je l'ai vraiment reçu d'avance, c'est vraiment le fun. Puis c'est une huile de douche. Fait que je suis comme vraiment excitée parce que moi, que la peau sèche dès que j'ai le mot huile. Oh, Ariel, est-ce que ça sent bon? Ok, non, tu veux juste te flatter là-dessus, c'est ça, hein? Je viens d'arriver chez moi, je suis vraiment crevée. Aujourd'hui, je travaillais de 1h à 9h, puis je peux vous dire que c'était vraiment, mais vraiment occupé. Genre, j'ai vraiment pas arrêté, c'était comme notre redeem en fin de semaine, fait que, en tout cas, c'est super occupé, mais j'aime ça comme ça. Et je prends l'avion demain matin pour Toronto à midi, et ma valise est là. Mais elle est pas encore faite, elle est encore vide. Il est rendu comme presque 10 heures. Puis je peux vous dire que je capote ma vie parce qu'il annonce comme une tempête de neige ou en tout cas des averses de neige pour mardi, la date que je reviens. Puis moi je suis quelqu'un qui a quand même peur de prendre l'avion. Ça me dérange pas d'apprendre mais j'ai toujours peur qu'il y ait beaucoup de turbulences. Puis
Avec la neige, ben ça me stresse encore plus, je vous dirais. Mais ça va être le fun parce que on va être plein de youtubeurs, fait que c'est ça. Puis là, j'avais pensé à quelque chose, ok, pour mes cordes, là, je veux vous en faire part. J'ai décidé de mettre vos messages ou des lettres que vous pourriez m'envoyer. Comme ça, ça serait quelque chose qui m'encouragerait à chaque jour. Puis je trouve ça important de mettre comme une part de vous dans ma chambre aussi parce que c'est vous qui m'inspire à la base. Puis c'est vous qui faites, qui m'aidez à être qui je suis présentement. Oh mon dieu, mes dents sont vraiment blanches. Je comprends pas pourquoi. Elles sont pas blanches comme ça en vrai. Si vous aimeriez m'envoyer une lettre ou un message, laissez-moi le savoir. En message, c'est vraiment tout le temps sur l'adresse courriel qui est toujours en bonne information. Si vous voulez m'envoyer une lettre, faites-le aussi. Écrivez-moi n'importe où, puis on va s'arranger. On va se revoir la semaine prochaine dans un super de beau vlog. J'ai vraiment une grosse semaine occupée. Et merci beaucoup d'avoir écouté et on se revoit bientôt. Bye! L'anorexie. Diminution ou arrêt de l'alimentation par perte d'appétit ou par refus de s'alimenter. Avant aujourd'hui, pour moi, l'anorexie, c'était un blocage mental. C'était quelqu'un qui voulait juste pas grossir, qui se comparait trop aux autres. Hier soir, ma vision sur ce sujet...